Est-ce qu'un jour les chiens préférés de la reine Elisabeth pourraient disparaître? Cette semaine, le Kennel Club anglais a déclaré dans un journal que le Welsh Gorky Pembroke était en danger de disparition. Vous n'êtes pas sans savoir que ceci a suscité beaucoup de réactions sur Internet. Le Kennel Club a indirectement accusé la baisse de naissance des canins, principalement dû au fait que la majorité des maîtres étaient des personnes âgées, comme par exemple la reine Elisabeth qui a possédé pas moins de 30 corgis durant son règne. Ironiquement, la reine a décidé de ne plus en adopter dû au fait qu'elle craigne que les corgis ne la fassent tomber. En attendant, le Gorky est de plus en plus populaire aux États-Unis, c'est la 24e race de chien la plus en vogue depuis des décennies. Le Kennel Club américain déclarait pour rassurer les gens que plus de 5000 Gorkys ont été vaccinés en 2013, sans inclure ceux qui n'ont pas été déclarés. Les statistiques de 2014 ne sont pas encore disponibles. Donc, pas de panique, la petite boule en fourrure en forme de balle magique rebondie a encore de l'espoir de vivre outre-Atlantique.